Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 18e épisode du podcast des seniors actifs. Alors j'espère que vous portez bien, que vous profitez de l'été, du soleil, pour vous ressourcer, remplir vos jauges en vitamine D. Alors j'envoie des rayons à nos amis belges, parce que je sais qu'ils sont plus dans l'humidité, hein. Nos amis aussi de Bretagne, nos amis de Normandie. Alors nous allons continuer dans notre lancée des aliments diabolisés à tort. Et après la sardine, aujourd'hui, nous nous intéressons à l'œuf. J'allais dire le bête œuf que nous avons tous dans nos cuisines. Alors, on ne parlera pas de qui de l'œuf ou de la poule est arrivé le premier. Hein. Un débat qui dévise les scientifiques depuis toujours, également les philosophes. Alors, ce que j'entends souvent de la bouche des personnes que j'accompagne en nutrition, l'œuf, aïe, 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 il est bourré de cholestérol. Mon médecin m'a interdit d'en manger. Alors, il me semble important de faire la lumière sur ces idées reçues et de mettre à l'honneur l'œuf dans nos assiettes. Pourquoi ? Parce que c'est une mine d'or en nutriments. Alors bien sûr, certaines personnes sont allergiques ou intolérantes à l'œuf, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Et bien entendu, ces personnes doivent exclure cet aliment, car leur corps n'en veut pas. Concernant le cholestérol, c'est vrai, l'œuf en contient 200 à 300 mg. Alors nous avons vu dans l'épisode de juillet, le titre c'était « Le cholestérol, on nous ment », qu'il en faux du cholestérol, qu'il est précieux. Alors que seulement un quart du cholestérol total est d'origine alimentaire, et les trois autres quarts sont fabriqués par le foie, la nuit, donc indépendants de notre alimentation. Je vous invite à écouter ou à réécouter cet épisode pour savoir où se cache le cholestérol dans nos assiettes, pour connaître les vrais coupables, et vous vous réconcilierez avec l'œuf. En quoi l'œuf est-il une manne nutritionnelle? Alors déjà, c'est une source de protéines de haute qualité. Alors surtout le blanc. Alors l'œuf, on peut dire que c'est un pilier de l'alimentation équilibrée. Un œuf moyen couvre environ 12% de nos besoins quotidiens en protéines. Les protéines, ce sont nos matériaux de construction et de réparation des tissus. Il contient tous les acides aminés essentiels. Alors, on peut dire que c'est une source intéressante de tryptophane. On en parlera beaucoup, beaucoup du tryptophane. C'est un acide aminé que nous trouvons dans le riz complet, les viandes, les poissons, les fruits à coque, la banane, le chocolat. Alors, cet acide aminé, pourquoi on dit qu'il est essentiel? Parce que le corps ne sait pas le fabrique et il doit impérativement être apporté par l'assiette. Alors, ce tryptophane, c'est le précurseur de la précieuse sérotonine, qu'on l'appelle à tort l'hormone du bonheur. C'est pas du tout une hormone, c'est un neuromédiateur. On aura l'occasion d'en parler à différentes reprises dans plusieurs épisodes. Et la sérotonine, elle, est précurseur de la mélatonine. Alors, le tryptophane va se transformer en sérotonine qui se transformera en mélatonine, l'hormone du sommeil. Et plusieurs épisodes seront consacrés au sommeil parce que c'est un sujet important. L'œuf est également riche en vitamines. Alors, en vitamines du groupe B, qui sont les vitamines de l'énergie et du système nerveux, elles manquent cruellement dans nos assiettes. Nous en avons déjà parlé. La vitamine B2, qui contribue au fonctionnement normal de notre système nerveux. La B6, la B12, elle est essentielle aussi à la santé du système nerveux et à la production de nos globules rouges de notre sang. La B4, la choline, on la connaît un petit peu moins bien. Alors l'œuf est une source de choline qui est bénéfique et pour notre cerveau et pour notre foie. Et c'est le précurseur d'un messager chimique du cerveau qui sert de support à la mémoire. La choline, elle aide aussi le foie à exporter les triglycérides, qui sont des graisses. Elle empêche le dépôt de cholestérol dans les artères. Alors, une étude a été menée en 2008 et cette étude, elle a montré une diminution de 24% du risque de cancer du sein. On a aussi les vitamines A et E. Alors, ces vitamines, on les perd quand le jaune n'est pas liquide, c'est-à-dire quand il est cuit.
La vitamine D, ben, elle a plus de secret pour vous, hein. Si vous avez suivi l'épisode de juin, vous savez que nous sommes tous, non pas micro-carencés, mais carencés en cette précieuse vitamine, ben, une grande partie de l'année. Et c'est le moment, avec le soleil, de recharger les batteries. Côté minéraux et oligo-éléments, on peut dire que l'œuf est une bonne source de phosphore, de lutéine, de zéaxanthine, alors qui pourrait prévenir la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. L'œuf contient aussi du zinc, qui est essentiel à notre système immunitaire, hein, comme la vitamine D. L'œuf contient du sélénium, un antioxydant, on aura l'occasion de parler des antioxydants. L'œuf contient aussi du fer et du calcium, alors ça c'est surtout dans le jaune, hein. De l'iode, c'est important pour les hormones thyroïdiennes. Côté graisse, il présente un bon rapport entre les oméga 6 et les oméga 3. Ça, c'est si les poules sont nourries naturellement, hein, et pas avec des farines. Alors si ces termes oméga 3 et oméga 6 ne vous sont pas familiers, je vous invite à écouter l'épisode « Les bonnes graisses de l'assiette ». On ne s'arrête pas là. L'œuf contient aussi de la lécithine. Alors, c'est une sorte de gras qui permet à la bile de briser le cholestérol en fines gouttelettes et de l'éliminer par le foie. Donc, vous voyez, une richesse nutritionnelle très intéressante. Alors, comment on va choisir nos œufs? Alors déjà, en tenant compte de la date de péremption. Alors, si vous avez un doute, vous prenez l'œuf, vous le plongez dans de l'eau. S'il coule, bah c'est OK, vous pouvez le consommer. S'il reste en surface, bah vous pouvez le jeter. Alors, il vaut mieux ne pas conserver les œufs au réfrigérateur si vous souhaitez conserver leur qualité gustative. Alors, sur les œufs, vous avez un chiffre qui est tamponné. Alors, pas bien sûr si vous avez vos œufs à vous, hein, dans le poulailler, mais tout le monde n'a pas cette chance. Un chiffre tamponné sur la coquille qui indique les conditions d'élevage des poules. Alors, les œufs qui sont labellisés bio ont le chiffre 0. Alors, c'est à eux à privilégier, hein. Une garantie que les poules sont élevées en plein air avec une alimentation bio, souvent du grain, hein, maïs, qui est enrichi en oméga 3. Le 1, le chiffre 1, c'est juste plein air. Le chiffre 2, les poules sont au sol, hein, farine. Et les poules 3, bon, on n'en parle pas, elles sont en cage, farine. Voilà, donc on privilégiera le chiffre 0. Alors, quand est-ce qu'on conseille l'œuf et combien peut-on en manger par semaine? Alors, en idéal, on consommera l'œuf pour le petit déjeuner. C'est le moment dans la journée où le corps a besoin de protéines et de gras pour fabriquer la dopamine. Alors, le corps n'a pas besoin de sucre, hein, le matin. Je vous invite à écouter l'épisode « La dopamine, notre starter du matin » sur la chaîne YouTube du podcast. Alors, la dopamine, elle nous permet de bien nous réveiller le matin. Alors, si c'est pas le cas, ben ça va être café sur café dans la journée, hein, pour se réveiller, ou des boissons excitantes comme le Coca-Cola, par exemple, pour les jeunes. Les œufs, on peut en consommer 2 à 5 par semaine, et de préférence avec la coquille. Alors, à la coque, dur ou mollet, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne doit pas manger d'œufs durs ou au plat ou en omelette, hein. Et pour ceux qui comptent les calories, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui comptent les calories, l'œuf, c'est 70 à 85 kilocalories. Alors, j'espère que ce zoom sur l'œuf va vous motiver à le mettre à l'honneur, hein, dans vos assiettes, dans vos salades. C'est le moment, hein, l'été. Et on va se quitter là. On va se donner rendez-vous pour le prochain épisode. Alors, nous serons en août, le 17 août. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Olivia Roche qui nous parlera musique. Musique et bien-être. Et on peut dire que la musique, bah, c'est un de nos 20 meilleurs médecins, hein, nos médecins naturels. Je vous en dis pas plus. Belle journée à tous et à très vite.